J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais vous parler de mes vacances de mai. Alors je vais faire des vlogs. Je vais partir en Tunisie à Berba. Alors je vais vous filmer le jour des préparatifs, pas des valises, mais de mon sac de voyage pour mettre dans l'avion, pour prendre dans l'avion quoi. Le jour du départ, le premier vlog, le vlog 1 de Angel en Tunisie. Alors je vais filmer tout ça, mais en fait je vais faire aussi des morning routines et des night routines. En fait je vais essayer. En fait les jours des vlogs je vais pas filmer les moments de réveil parce que ma mère ne serait pas d'accord, elle serait pas du matin. Et moi non plus je suis pas du matin. Je filmerai direct après mon petit déjeuner parce que, enfin, quand on ira à la piscine. En fait, pour la morning routine, je filmerai dès le petit. Je ne sais pas encore. Je filmerai dès qu'on sera là-bas. Je verrai si je ne me réveille pas avant 10h. Je filmerai à 10h. Toute ma marraine. Enfin, je filmerai. En fait, j'essaierai de me réveiller après elle. Pour filmer direct après, enfin si je me réveille comme ça, je saurai où sera le petit déjeuner. Donc du coup, je vous filmerai à cette heure-là. Mais pour la night routine, je ne sais pas encore, je vous redirai ça par Snap ou par Instagram, par story plus exactement. Je prendrai ma GoPro particulièrement parce que je ne peux pas filmer sous l'eau avec mon téléphone. Donc à la piscine, en fait, je filmerai des plans sous l'eau, enfin j'essaierai, si je n'y arrive pas, je le dirai par... Voilà. Que ça fait pas des beaux plans, en fait, j'ai déjà regardé, enfin je n'ai pas encore regardé les plans que j'avais fait dans le sud. Voilà. Du coup, on ira, en fait, dans l'hôtel où on ira, il y aura un parc très chaotique, enfin il y aura des toboggans, quoi. J'essaierai de vous filmer dans les toboggans, ça m'aidera, enfin j'adore ça. Vous m'entendrez certainement crier. Alors ça, c'est la deuxième fois que j'y vais. Mais la première fois que j'y ai été, en fait, à la mer. En fait, j'irai particulièrement à la piscine. Dans le terrain toboggan, certainement. Particulièrement parce qu'en fait, à la mer, il y a des algues. La mer est remplie d'algues. Et je déteste ça, en fait. C'est très désagréable à toucher. T'as l'impression de toucher des vers, enfin, des trucs désagréables. Des poissons, enfin, voilà. Et en fait, la plage est recouverte de cailloux. En fait, il y a du sable, mais le sable est recouvert de cailloux. Et c'est très désagréable. La mer est chaude, alors il y a plein de cailloux, il y a plein d'algues dans la mer, mais la mer est chaude. Il n'y a qu'un seul point commun là-dedans, en fait, il y a un seul truc bien. Enfin, il y a les parasols et les transats, ça c'est cool, mais à propos de la mer, elle est quand même chaude. Les algues, c'est pas possible. Mais la tonne d'algues qu'il y a, les cailloux sont recouverts d'algues, de mousse, même les cailloux en dehors de l'eau sont recouverts d'algues. Je comprends pas. Pourtant, la Tunisie, c'est là, mais le sud, c'est juste en face. En face, il n'y a pas de algues. Ça, c'est très très bizarre. Alors voilà. L'avion, ce sera très long. Je ne filmerai pas tout le temps dans l'avion, tout le long, parce que ça va vous trouver long. Le vlog va durer 2 heures. Alors, c'est pour ça. Ah non. 45 minutes au maximum pour le vlog. Mais non plus. Alors, je vous filmerai pas le vlog du départ à 4h du matin, parce que ça va à 4h du matin. On doit prendre une navette parce que l'aéroport est au Luxembourg. Et je ne pourrais pas vous dire tout de suite à quelle heure l'avion décolle. Je ne pourrais pas vous dire ça maintenant. Parce que je ne sais pas encore. Vu que c'est la deuxième fois, en fait, je vous ferai des reconnaissances, mais c'est la première fois que je vais dans cet hôtel. Et je ne passe pas par Marmara pour cette fois, parce que enfin, la dernière fois j'ai passé par Marmara. Mais cette fois, je pars par Luxair Tour. Dites-vous bien que Luxair Tour c'est un truc super cool. Mais l'hôtel il n'est pas pareil, ça voit. Parce que là, il n'y a pas de toboggan. Mais il y aura une... En fait, si je vous filme une night routine, la night routine durera jusqu'à minuit. Dites-vous bien ça. Alors, si vous regardez en journée ou la nuit, ne regardez pas jusqu'à minuit. Voilà. En fait, on va en discothèque. Moi, je suis peut-être petite, mais j'aime bien les discothèques. Alors, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé,